Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Ce matin, je vais m'adresser, je veux parler aux Camerounais. Je veux parler à mes frères Camerounais. Je veux parler aux Lions. Vous me voyez, non? J'ai vendu mon maillot hier. Je suis rentré avec mon maillot à Côte d'Ivoire comme je suis parti sur moi. Parce que je suis fâché. Vous savez pourquoi je suis fâché? Hier, d'abord, je suis en train de faire les tours sur les réseaux sociaux. Je vois tous les Camerounais en train d'écrire non, les Lions n'ont pas démérité. Les Lions n'ont pas démérité. C'est ce que vous dites. C'est ce que vous dites. Quel Lion n'a pas démérité? Vous me racontez même quoi? Les gars ont. Ils ont démérité. Je vais vous expliquer. Quand la Côte d'Ivoire est rentrée, quand les Ivoiriens ont aussi écrit que la Côte d'Ivoire n'a pas démérité, qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez raconté partout sur les réseaux sociaux que c'est les pleurs du bolet, que vous êtes nul, avec toutes les occasions que vous avez eues, vous êtes rentré. Aujourd'hui, pour vous consoler, vous dites que les Lions n'ont pas démérité. Est-ce que ce n'est pas le même match que la Côte d'Ivoire a délivré? C'est exactement le même match. Il n'y a pas de différence. C'est hier là que j'ai compris que le Cameroun ou la Côte d'Ivoire, les deux pays là, c'était les frères, les gens là, ceux qui ont créé les deux pays là, ils savent pas, ils sont les gens qui disent comment ça s'est passé. C'était les enfants d'un même père. Donc chacun s'est divisé. L'autre allait créer la Côte d'Ivoire, l'autre est venu rester ici créer le Cameroun. Les gars ont fait le même match. Donc je ne peux même pas venir ici dire que les Lions ont bien joué, les Lions n'ont pas démérité. Les gars, vous êtes nuls. Vous êtes nuls. C'est que vous rentrez au stade. Vous blaguez vous avec le cœur des gens. Vous vous amusez avec le cœur des gens. On donne le penalty à l'autre. Mon frère, ça c'est pas l'AVC. Moi je ne sais même pas ce que je suis allé faire au stade hier. Les gars, je dis que c'est la dernière fois que j'entends au stade pour regarder le match des Lions. Bah, comme je suis encore en vie là, comme je vous dis que je suis encore en vie là, Dieu est grand. Mon frère, j'ai failli piquer une crise cardiaque. Ce que vous regardez à la télé là, avec ce qui se passe au stade en direct, c'est le jour et la nuit. Où je suis d'abord là pour que ma voix sorte ce matin. Mon frère, il a fallu que ma femme me prépare le chai, le ginger, machin truc, pour que la voix la sorte. Je suis arrivé chez moi à 3h hier. Je suis d'abord, on a d'abord fait comment pour entrer au stade. Aller faire d'abord les tests de Covid là. Le rang d'abord. On souffre, tu t'alignes encore pour acheter le billet. Tu arrives au stade, heureusement qu'on a même la voiture, qu'on est en train. J'ai parcouru 15 km, j'ai déjà abandonné tous mes potes, les gars de la diaspora, ils sont venus là pour qu'on aille au stade. J'ai abandonné tous les gars, on sait qu'avec la Lucie, je vais marcher à pied. Je suis arrivé chez moi à 2h30 et on a parcouru 14 km, aucune voiture ne bougeait après le match. Mon frère, nous on souffre comme ça là. On vient vous voir. Vous prenez nos cœurs, vous amusez vous avec. Vous entrez au stade, vous avez eu tellement les occasions de but. Qu'est-ce qui vous coûtait de marquer depuis? Les coups sont vides, le joueur, le ballon, il ne parvient pas à marquer. Vous venez me dire qu'ils ont bien joué. Mon frère, vous avez dit quoi dernièrement quand la Côte d'Ivoire est rentrée? Qu'on ne cherche pas à savoir ceux qui ont bien joué. On veut juste les vainqueurs. Nous, je suis venu hier, j'ai misé. Et c'est ce qui me fait le plus mal, même parce que j'ai fait un poste hier. C'est celui qui a tiré, je ne veux pas prononcer son nom ici. Parce que vous avez dit, quand moi je fais mes vidéos, je ne donne pas le lait à quelqu'un. Donc je ne fais pas, je ne chante pas l'éloge de quelqu'un qui me donne un plat de nourriture. Je ne suis pas mendiant. Quand je vais taper, je tape sec. Vous comprenez non les fans, c'est comme ça. Vous avez insulté les Ivoiriens. Maintenant, sur le même jeu que vous avez fait. À la deuxième mi-temps, j'étais tellement sûr des Lions parce que les gars là. Mais, je mise mes 50 000 mon frère. Ça part dans l'eau. J'ai fait entrer au stade. Quand le gars là tire le penalty ou se tire au but, ça passe, ça prend ou c'est. L'autre vient tirer sur le gardien. Merde. Quand je parle encore maintenant, là, je ressens encore ça. C'est comme si je rêvais. Tu es d'abord au stade avec les bruits où les gars là, où ils appellent ça, où c'est les bouvous, c'est là où c'est. Ils crient tant de. Pour les gros, à l'heure où je vous parle, j'ai encore mal. Mon tempo me fait encore mal. Nous, souvent, on vient, on crie, on chante. Pourquoi vous venez faire les bêtises que vous avez fait devant nous là? On vous a dit qu'on voulait le football de je ne sais pas des blancs. Nous, on voulait seulement la victoire, mon frère. Nous, on voulait seulement la victoire. Donc, comme j'ai perdu mes 50 000 hier, oh, j'ai enlevé mon maillot. Et vendu, ça a mis 500. Ça m'a énervé. J'étais fâché. Mon frère, on est même où là? Donc vous venez
nous au stade, nous jouons. Quand je fais mon poste, quelqu'un dit que le poste c'est décevant venant d'un influenceur. Après, il dit qu'il est un influenceur. Mon frère, moi, il m'a dit, je ne fais pas mes vidéos pour caresser quelqu'un. Quand je fais mon poste, je fais un roi. J'ai même modifié le poste juste par plaisir. Vous comprenez, non? Vous savez la douleur que moi j'avais dans mon cœur en faisant ce poste-là. Quelqu'un vient me déçoit, je paie tout, je l'abandonne mon travail. Les gars sont au stade, ils cherchent leur argent. On abandonne nos boulots, on abandonne tout pour venir t'appeler, pour venir mourir même pour rien. Hein. Voilà que j'arrive chez moi pour m'agresser à 2h30, 3h. On me demande que je sois où, je dis que je sois où. Après, il vient sur le zoo, dans qui me dit que les Lions n'ont pas démérité, ils ont bien joué. Mon frère, moi, ils voulaient la coupe. Ils ne voulaient pas ceux qui viennent jouer, je ne voulais pas le beau football au stade. Moi, ils voulaient la victoire. Et vous attendez-vous seulement le jour que je viens au stade, je sacrifie tout, je viens au stade avec même mon maillot, avec même le drapeau accroché. Je passe tous les 90 minutes à crier pour rentrer la honte. Vous faites ça comment? Donc moi, il dit que non, vous avez bien joué. J'ai pas encore un peu à la rigueur vous apprécier parce que vous avez fait les efforts d'arriver en demi-finale. Voilà le seul truc où je peux un peu vous dire merci. Mais le reste de la mon frère, vous m'avez déçu. Mais ne parlez même plus jamais, Jacques, oh, les Ivoiriens sont nuls. Parce que c'est le même match que vous avez eu. L'Égypte a eu une seule occasion de but. Ils ont raté. Vous avez oublié où c'est 3 ou 4, mon frère, avec les côtes vides. Vous ne parvenez pas à marquer. Mais si on pouvait mettre le gars là devant moi maintenant, d'aller l'allumer comme ça, d'aller comprendre qu'on ne s'amuse pas avec le cœur des gens comme ça. Mais on est même où là? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.